Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. I know that many of you really enjoy these dictation exercises, so we are going to work on one today. La dictée d'aujourd'hui s'intitule La Toussaint en France. So today's dictation exercise is titled La Toussaint en France. Comme d'habitude, il y a trois étapes. There are three steps. Écoutez le texte en entier. Écoutez la dictée et écrivez. This is where I will read the dictation exercise slowly, adding in punctuation and repeating words and sentences. The main goal is not to press pause. La troisième étape, écoutez la dictée une dernière fois. The third step is to listen to the dictation exercise one last time. I will be reading the text this time at a normal pace, but I will be adding in punctuation just to make sure that you can finalize your exercise and see if you've missed some things. And then we will correct this dictation exercise together and also check out the version in English. Voici la ponctuation. Donc, il faut bien penser à recopier ou à faire une capture d'écran et la garder auprès de vous pendant cette dictée. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Écoutez le texte. So first, listen to the text. La Toussaint en France. Le 1er novembre dernier, comme chaque année, les Français ont célébré la Toussaint. Quand j'étais petit, cette période de l'année était toujours très spéciale. Les familles se réunissaient pour se souvenir de leurs proches disparus. Dans notre village, nous passions la journée au cimetière où les tombes étaient décorées de fleurs. Contrairement aux États-Unis, nous ne fêtions pas vraiment Halloween, même si cette tradition américaine s'est progressivement installée en France ces dernières années. Le soir, nous rentrions chez nous pour partager un repas en famille. Ma mère préparait toujours une soupe de potiron. C'était un vrai régal. Très bien. Maintenant, écoutez la dictée et écrivez. This is where you will grab a sheet of paper, a notebook, or simply open a Word document and write what you hear. Le narrateur est masculin. So the narrator is male here. La Toussaint en France. Le 1er novembre dernier, le 1er novembre dernier, virgule, le 1er novembre dernier, virgule, comme chaque année, virgule, comme chaque année, virgule, comme chaque année, virgule, les Français ont célébré la Toussaint, point. Les Français ont célébré la Toussaint. Point. Les Français ont célébré la Toussaint. Point. Quand j'étais petit, virgule, quand j'étais petit, virgule, cette période de l'année était toujours très spéciale. Point. Point. Quand j'étais petit, virgule, cette période de l'année était toujours très spéciale. Point. Les familles se réunissaient pour se souvenir de leurs proches disparus. Les familles se réunissaient
s'est, se réunissait pour se souvenir, pour se souvenir de leurs proches, de leurs proches disparus. Point. Pour se souvenir de leurs proches disparus. Point. Dans notre village, virgule, dans notre village, dans notre village, virgule, nous passions la journée, nous passions la journée au cimetière où les tombes étaient décorées de fleurs. Point. Où les tombes étaient décorées de fleurs. Point. Contrairement aux États-Unis, virgule, contrairement aux États-Unis, virgule, nous ne fêtions pas vraiment Halloween. Nous ne fêtions pas vraiment Halloween, virgule. Même si cette tradition américaine, même si cette tradition américaine s'est progressivement installée en France ces dernières années. Je répète, contrairement aux États-Unis, virgule, nous ne fêtions pas vraiment Halloween, virgule, même si cette tradition américaine s'est progressivement installée en France ces dernières années. Point. Le soir, virgule, le soir, virgule, nous rentrions chez nous pour partager un repas en famille. Point. Pour partager un repas en famille. Point. Le soir, virgule, nous rentrions chez nous pour partager un repas en famille. Point. Ma mère
préparait toujours. Ma mère préparait toujours une soupe de potiron. Une soupe de potiron. Une soupe de potiron, virgule. C'était un vrai régal, point final. C'était un vrai régal, point final. Ma mère préparait toujours une soupe de potiron, virgule. C'était un vrai régal, point final. Super, maintenant, écoutez la dictée une dernière fois. La Toussaint en France. Le 1er novembre dernier, virgule, comme chaque année, virgule, les Français ont célébré la Toussaint, point. Quand j'étais petit, virgule, cette période de l'année était toujours très spéciale, point. Les familles se réunissaient pour se souvenir de leurs proches disparus, point. Dans notre village, virgule, nous passions la journée au cimetière où les tombes étaient décorées de fleurs, point. Contrairement aux États-Unis, virgule, nous ne fêtions pas vraiment Halloween, virgule, même si cette tradition américaine s'est progressivement installée en France ces dernières années, point. Le soir, virgule, nous rentrions chez nous pour partager un repas en famille, point. Ma mère préparait toujours une soupe de potiron, virgule, c'était un vrai régal, point final. Super, maintenant on va corriger la dictée ensemble. Le 1er novembre dernier, comme chaque année, les Français ont célébré la Toussaint. Quand j'étais petit, narrator is male, cette période de l'année était toujours très spéciale. Alors ici, on a les Français avec un F majuscule parce qu'on parle du nom français et pas de l'adjectif. So, the adjective français does not start with a capital F if it's an adjective. But if it's a noun, if français or a nationality is a noun, then you are going to start with a capital letter. So here, in this case, the French, les Français, will have a capital F. La Toussaint, eh bien la Toussaint, tout simplement, All Saints Day. C'est le 1er novembre. Les familles se réunissaient pour se souvenir de leurs proches disparus. Dans notre village, nous passions la journée au cimetière où les tombes étaient décorées de fleurs. Leurs proches, loved ones, their loved ones. Contrairement aux États-Unis, nous ne fêtions pas vraiment Halloween. Vous avez remarqué qu'on utilise ici l'imparfait, nous ne fêtions pas vraiment Halloween, même si cette tradition américaine s'est progressivement installée en France ces dernières années. Ici, dans américaine, comme c'est un adjectif, c'est une tradition américaine, on ne parle pas des Américains en général, on parle de la tradition américaine. Donc, américaine ne commence pas par un A majuscule. Le soir, nous rentrions chez nous pour partager un repas en famille. Ma mère préparait toujours une soupe de potiron, c'était un vrai régal. Une soupe de potiron, pumpkin soup. Et un vrai régal, a real treat, delight, un régal. On utilise beaucoup l'imparfait ici parce que le narrateur parle de ses souvenirs, de ses habitudes dans le passé. So we are using imparfait here in French because the narrator is talking about what he remembers and his past habits, what he used to do. Maintenant, on va lire la version en français et en anglais. La Toussaint en France. Le 1er novembre dernier, comme chaque année, les Français ont célébré la Toussaint. Quand j'étais petit, cette période de l'année était toujours très spéciale.
On November 1st, as every year, the French celebrated All Saints' Day. When I was growing up, this time of year was always very special. Les familles se réunissaient pour se souvenir de leurs proches disparus. Dans notre village, nous passions la journée au cimetière où les tombes étaient décorées de fleurs. Families gathered to remember their departed loved ones. In our village, we used to spend the day at the cemetery where the graves were decorated with flowers. Contrairement aux États-Unis, nous ne fêtions pas vraiment Halloween, même si cette tradition américaine s'est progressivement installée en France ces dernières années. Unlike in the United States, we didn't really celebrate Halloween, even though this American tradition has gradually gained popularity in France in recent years. Le soir, nous rentrions chez nous pour partager un repas en famille. Ma mère préparait toujours une soupe de potiron, c'était un vrai régal. In the evenings, we'd go home to share a family meal. My mother always made pumpkin soup, which was a real treat. Très bien. J'espère que vous avez aimé la dictée d'aujourd'hui. Let me know your thoughts and what you found challenging in this dictation exercise in the comment section. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée sur Learn to French. Au revoir!